Départ ce matin du 68e rallye de Charbonnières avec 130 engagés dans le championnat de France et 23 en véhicules historiques de compétition, tous animés d'une même passion pour cette épreuve mythique. C'est tout d'abord un très très beau rallye avec de belles spéciales, des routes relativement larges, c'est assez rapide. Ça permet d'avoir vraiment de grosses sensations. C'est ma première participation. Donc voilà, ça va pas être évident. En plus, avec la pluie, on va essayer d'être surtout à l'arrivée. Il y a des belles descentes, donc ça nous va bien. Vu qu'on est déjà assez fort au niveau poids, vaut mieux que la voiture n'est pas trop puissante. Vaut mieux qu'on ait un petit peu de descente et là, on s'amuse bien. Qu'on soit là pour s'amuser ou pour la compétition, le Charbon reste avant tout une grande fête gratuite pour le public, toujours nombreux au bord des routes. C'est 200 000 spectateurs sur le bord des routes. C'est surtout 700 personnes mobilisées le long du week-end. Cette année, on pourra voir notre épreuve spéciale spectacle qui était initialement implantée à Gerland se dérouler pas loin du podium, là, sur la commune de Charbonnières. C'était un souhait et une volonté de la mairie de Charbonnières de se réapproprier le rallye.